Excellencies, ladies and gentlemen, when vaccination campaigns were announced across the globe, the world breathed a sigh of relief. With vaccines, there was hope that we had finally found a way out of this crisis. This was conditional, however, on showing solidarity. We are very far from achieving this goal. To date, 75% of the world's vaccines have been administered in only 10 countries. Over 130 countries have yet to receive a single dose. We cannot continue like this, on the brink of a catastrophic moral failure, as you rightly stated, dear Dr. Tedros. But we can still avoid it if we collectively commit to respecting a certain number of principles. Developing, drafting, and proposing ethical guidelines in the scientific fields. This is precisely the raison d'être of UNESCO's Commissions on Scientific Ethics, International Bioethics Committee, and the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology. At the start of the crisis, these two very important bodies mapped out an ethical path forward to ensure that the health emergency would not lead to isolationism or the erosion of fundamental rights. Their new joint statement on vaccines, released today, also revolves around these humanist values. It sets out an ethical framework founded on three main pillars. Premièrement, envisager les vaccins comme de véritables biens publics mondiaux. Cela signifie que les protocoles, les résultats, les données qui entourent leur fabrication doivent être librement accessibles. Cette pandémie, c'est donc aussi un rappel qu'il nous faut faire progresser concrètement l'ouverture, le partage de la science. Et c'est ce principe à la fois de solidarité, de justice, mais aussi d'efficacité que nous défendons à l'UNESCO avec la préparation d'une recommandation sur la science ouverte qui devrait être prête à la fin de cette année. Deuxièmement, il s'agit d'assurer un accès équitable aux vaccins à tous les pays et à toutes les populations. Équitable. Cela veut dire selon des critères clairs, transparents, concertés, afin d'abord de protéger les populations les plus vulnérables et les plus exposées aussi. Je pense notamment à la catastrophe éducative qui a privé plus de 90% des élèves dans le monde de leurs écoles à l'occasion de cette crise et qui nous a conduit, avec la Fédération syndicale l'Internationale de l'éducation, à appeler à considérer les enseignants comme population prioritaire dans les campagnes de vaccination lorsqu'elles se déroulent. Troisièmement, enfin, il nous faut créer les conditions de la confiance des populations, car il n'y aura pas de sortie durable de la crise sans cette confiance, cette compréhension. Cela passe, nous le savons, par des efforts spécifiques en matière d'éducation, encore une fois, de formation, de transparence, pour lutter contre les fausses rumeurs et désarmer ce scepticisme très dangereux qui monte envers la science. Excellences, mesdames et messieurs, rappelons-nous que face à une pandémie, il est absolument illusoire de considérer sa propre vaccination isolément de celle des autres. Parce qu'aucun homme ni femme n'est tout à fait une île, parce que nous sommes, comme le dit si bien le concept d'Umbutu, je suis parce que nous sommes. Je crois qu'il nous est encore possible d'éviter cet échec, cette faillite morale, alors mobilisons-nous pour faire un choix solidaire et humaniste. Je vous remercie.